give it up easy. When I love someone, have a dance with me, baby. Cette story time en question, j'avais décidé de ne même pas la mettre sur ma chaîne YouTube. Je voulais même pas parler de ça parce que je me disais que c'était pas quelque chose d'important, c'était pas quelque chose qui avait un sens au fait. Mais au fur et à mesure, j'ai compris que ça peut aider certaines personnes. Parce que dans la vie, quand tu décides d'être une personne, tu décides d'être quelqu'un d'aimable, de gentil, à la fin là, on te prend pour une merde. Et c'est ça que je vais expliquer. Hello les Panamofers, j'espère que vous allez bien. Si t'es nouveau, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne sans oublier d'activer la cloche. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose franchement. Si elle vous dit que ça m'a pas marqué, c'est qu'il est mort en fait. Ça m'a vraiment marqué. À partir de ce moment-là, j'ai dit que non, moi je me vois plus en train d'aider quelqu'un corps et âme. C'était en 2017, comme je l'avais bien précisé dans mon introduction. C'était en 2017. Et en 2017, j'étais plus actif sur Facebook que sur Instagram. Donc ça fait que Instagram, j'étais pas vraiment dans le mood, dans le bain même. À la base, je connaissais rien en fait. Moi, je faisais que poster des photos et c'est tout quoi. Je vous ai dit, j'étais pas actif sur Instagram, mais j'étais plus actif sur Facebook. Je recevais beaucoup de messages, sans vous mentir, mais j'essayais de répondre à tout le monde. Je voulais être quelqu'un de gentil, je voulais pas qu'on me dise genre tu te prends pour une star et tout, je répondais à tout le monde. Et c'est là que j'ai fait la rencontre de quelqu'un, mais bon, je vais pas dire son nom, je vais changer son nom, on va l'appeler Emmanuel. J'ai fait la rencontre d'Emmanuel sur Instagram, pas Instagram, sur Facebook. La rencontre d'Emmanuel, on a discuté et tout. J'ai vu Emmanuel là, je l'ai vu sur Facebook. Emmanuel était un peu genre, tu vois, il était un peu clair, un peu comme moi, quoi, sur ses photos. Et en réalité, un jour comme ça, Emmanuel a décidé de venir devant mon quartier, on va causer et tout. Emmanuel est venu, je vous dis, Emmanuel est black, vraiment black même. C'est ça, on dit iPhone. Mais bon, je n'ai pas jugé sur ça et tout. Je ne lui ai pas sorti la remarque, hein, en mode genre, je pensais que tu étais clair, un truc comme ça, parce que j'aime pas vexer les gens, tu vois. Donc, j'ai vu, on a discuté, il est rentré à la maison. Je vous jure, on a marché même de chez moi, comme moi j'habite à Sienne-Pièce. On a marché jusqu'à Corovico et tout en discutant. En tout cas, c'était bien, on s'entendait bien, on avait des trucs en commun, c'était trop bien. Jusqu'en retour même là, moi, mais il n'y avait pas l'argent pour rentrer à la maison. Hein. Mais moi, il était en train de marcher quand même. Il m'a demandé, ah, je te donne l'argent du taxi. On te dit, non, merci, c'est rien, tu vois. Moi, je vais rentrer en taxi, t'inquiète pas. Donc, quand lui-même il a pris son taxi, là, moi, il est marché de Cocovico pour rentrer à la maison, tu vois. En tout cas, on s'entendait bien. On s'entendait vraiment bien. Mais si c'est ça, son nom, il n'est pas menti. Ça me prend un peu comme son meilleur ami, entre guillemets. Beaucoup de personnes me prennent comme leur meilleur ami à la base, mais bon. Moi, c'est pas trop ça, quoi, tu vois. Moi, je conseille quelqu'un. Mais je suis pas en mode que ah, t'es mon meilleur ami, t'es mon meilleur ami. Si moi-même, de ma propre initiative, je suis pas venu dire que ah, on va être meilleur ami, mais toi, je me dis. Ça va dépendre de mon comportement, mais bref, c'est pas vraiment important. Là, il a commencé à se confier à moi, il me raconte que quoi? Que non, il a un tonton sur le nom de... On va appeler ce tonton-là Pascal. Sur le nom de Pascal, qui, avec lui, Jean, il va le rencontrer à Bassam et tout. Il va passer les week-ends là-bas. Et après, il rentre sur Abidjan, tu vois. Donc, moi, j'ai dit que... Mais c'est bien, il y a quel problème? Il dit que non, le tonton aimerait venir à Cocody en gris pour genre pour ne pas, franchement, il veut connaître un peu en gris quoi. Donc bon, il sort de chercher une maison pour lui. Attendez, je vous explique. En 2017 là, moi j'avais tapé poteau premier. C'est-à-dire premier, j'avais tapé poteau. Ma moyenne annuelle c'était 9,48 un truc comme ça. Et puis on dit en point 9,50 un truc quoi. Il avait tapé poteau même. C'est-à-dire que moi-même là, dans ma tête là, tout était mélangé, mais j'étais à la maison tout ça. Mais malgré ça là, je faisais mon effort, je sortais, je partais. Aider mon ami à trouver une maison d'après lui-même pour son compte. Il a trouvé maison là bien souvent. En ce moment, on m'était à la maison et puis, ah, il me dit que j'ai trouvé le bail, les trucs comme ça. Et puis, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, c'est bien, c'est super alors. Il dit que, ah, mais on va faire l'aménagement et tout. Genre, je suis venu avec mon tonton. Mon tonton, même, il a payé. Je vous dis même, mon tonton, il a payé 1 million de bahts. Que non, les trucs. Bah, il est tout des maisons là, moi, je ne comprends pas. Là, au moins, si tu as pu aider à ton tonton, il va connaître un peu engrais et tout. Et donc on a fait l'aménagement, on doit payer les assiettes et tout comme ça et tout. Je dis, attends, mais ton tonton, il n'a pas de femme. Il n'a pas de femme, genre, tout ça, c'est toi tu vas faire à cause de quoi, en fait. Tu vois, je comprenais pas, en fait. Je vais vous dire clairement, je comprenais pas le film. Mais moi, il disait, il y a foi, il sait rien, comme c'est son petit, donc tu veux l'aider. Donc finalement, moi, je viens, il me montre son tonton, il dit, ah, j'ai validé le code, j'ai dit, lui, là, c'est son tonton.
Et puis mon ami là, il était baoulé. Les baoulés là, franchement, ils aiment l'homme blanc. Ils aiment pas la peau noire comme nous, la gens un peu clair comme ils n'aiment pas. La première rencontre avec son soi-disant tonton, c'était à Place Macquarie. Moi, je vous ai dit, j'ai repris premier. Donc là, je pouvais pas sortir comme je voulais. Tous les jours, on m'insultait. On dit, toi, premier, là, tu tapes pour tout. Les gens tapent pour tout, terminal, troisième. Toi, tu tapes pour tout, premier. Genre, tous les jours, on m'insultait. Donc, il m'a dit que à 14, il va venir me chercher en taxi compteur. Nous allons aller à Place Macquarie. Je vais rencontrer le Pascal en question. Il dit, il y a foi, il n'y a pas de souci. 14 heures aussi, il voit que ma maman entend regarder film de Eddie. Depuis là, il n'a pas encore fini, il n'est pas encore rentré dans la chambre. Il ne peut pas prendre mes pieds aussi à 13h30 là-bas, il est sorti, il ne pouvait pas. C'était bizarre. Donc il attendait, il m'a envoyé les messages, il dit hey, faut attendre. Moi là, il est tapé pour tout, faut attendre. Lui, il passait en terminal. Donc il dit faut attendre. Il a attendu, il m'a attendu au calme. Moi aussi, avant aussi, il ne savait pas m'habiller. Dès un, je suis grand. Donc à la base, les culottes là, c'est pas ça que je dois porter. Parce que la culotte, c'est pour les gens de 1m50 en bas là-bas. Alors que moi je faisais, j'étais dans les 80. Donc là, je devais porter un peu les pantalons. Mais moi j'aimais trop les culottes. Donc j'ai porté une culotte bleue que lui-même il m'a offerte. Ce jour-là, j'ai porté une culotte bleue que lui-même il m'a offerte. Et il y avait un t-shirt pour la francophonie là en 2017 que ma mère est venue me donner. Donc du coup, c'est ça que j'ai porté au calme si tu passes. Grand, cuisse claire. Tout ça, là, je suis en train de me promener, ça, j'ai quitté Angers pour aller à Macquarie. Non, avant, je ne me connaissais pas. Donc, il est venu, je suis, ma daronne est rentrée, moi, je suis sorti, je suis allé le rencontrer et tout, on était dans le taxi. On est dans le taxi, oh. Lui, il est en train de dire à son tonton, là, que actuellement, on est déjà arrivé à Macquarie, on est sur le troisième pont, ou bien quoi, là. Donc, là, or qu'en ce moment, mais c'est maintenant, moi, je viens de monter dans le taxi et puis on vient. Surtout, on dit à Foy que, ah, c'est que si c'est ça, dans 10 minutes, on sera là. 10 minutes, tu l'appelles, lui envoie un message que, ah, mais c'est quoi ça, depuis je vous attends, c'est quoi? Il dit, ah, mais ton tonton là, moi, il veut me rencontrer comment? C'est quoi ça, au fait? Genre, c'est en ce moment-là, j'ai compris que, ah, il y avait quelque chose de bizarre, au fait, il y avait quelque chose de louche. Arrivé là-bas, le tonton nous attendait devant Place. On est descendu. Il a salué le tonton. Genre, tu vois, quand tu salues quelqu'un là, tu salues quelqu'un, quand tu es une grande personne, tu essaies de saluer. Le tonton, il a serré ma main qu'on dit, genre, c'est camp militaire. Il dit, hi, c'est quoi ça? J'ai rien dit. Je vois, il entend des bailler sur mon ami pour lui dire que, attends, mais ça fait plus d'une heure de temps, je suis en train de vous attendre ici. C'était un Italien. Ça fait plus d'une heure de temps ici, je suis en train de vous attendre ici, c'est quoi et tout. Il entend des bailler sur mon ami. Au fait, je comprends le mot. Il dit que non, j'étais en train de le chercher, j'étais allé le chercher, nanana, c'est lui qui a pris un peu de temps. Mais tu peux pas me dire ça. Moi, je comprenais pas, il était là, il était. Au fait, j'étais dépassé. On est allé dans Place. Vous savez que Place, il y a un espace, vraiment grand espace où tout le monde peut s'asseoir. Maintenant, ça dépend de toi. Si toi, j'ai envie d'aller payer du KFC, des burgers, bon, toi, tu t'en commandes. Si toi aussi, tu veux t'asseoir comme ça pour prendre photo et puis rentrer chez toi à la maison, c'est ton problème. Donc, on a commandé, mon ami a commandé bien zoo et tout. Et je constate que quand mon ami venait commander, on était assis à toi, c'est-à-dire. Moi, il était là, mon ami était là, lui, il était là et tout. Et je constate que quand mon ami doit aller payer la chose, l'argent, c'est-à-dire les KFC, les trucs comme ça et tout là. Pas KFC, au fait, burger, parce qu'en ce moment, KFC n'était pas encore venu. Donc, au pas, les gens vont me traiter de menteur. Donc, quand mon ami partait payer les burgers et tout là, mon ami prend son portefeuille et puis me dit, Panama, allons-y. Je suis parti. Mon ami, déjà le portefeuille, je vois les billets violets. Moi, mais quand il a vu, il dit, ah, ton tonton là, vraiment, il travaille. Non, c'est rien, tout que tu peux prendre aussi. Il dit, non, ça va. Parce que moi, ici, quelqu'un, hein, moi, il n'est rien. Même si tu fais une vidéo YouTube, là, peut-être c'est pour avoir l'argent des mains. Et puis aussi, c'est par passion. Hein. Mais là, quand tu n'as rien, il faut connaître ta place. Tu vois. Moi, il connaissait ma place. Il dit, non, c'est bon, ça va, moi. Donc, il a payé le truc, on a attendu, on allait se servir. On a commencé à manger, le monsieur il a commencé à me poser des questions. Tu fais quoi, genre des questions basiques, quoi. Je répondais et tout. Et à un moment, moi, je constate que maintenant, il y a des regards louches. Des regards louches que moi, je ne comprenais pas, en fait, entre lui et puis mon ami. Il dit, c'est quoi ça? Et je vois qu'ils sont en train de se texter les messages. Mon ami aussi me texte les messages. Il dit, aïe, on est assis à trois sur une table.
Si vous avez besoin de parler quelque chose, vous parlez tranquille au calme. Vous n'avez pas besoin de parler dans les DM et tout, genre. C'est quoi le souci au fait? Déjà, c'est moi qui est en train de pirer comme ça. C'est moi qui est en train de pirer maudit même. Mon ami m'a envoyé un message. Ah, genre, j'espère que tu. J'ai dit, comment tu as me demandé, j'espère que je vais bien. Ah, c'est quoi ça? C'est quoi? Moi, je suis venu, tu t'es rencontré tout le temps, mais toi, t'es en train de me parler de quoi? Que je vais bien. Donc, si je vais pas bien, tu penses qu'il allait venir m'asseoir ici pour venir parler à toi? Donc, il a vu que, genre, un moment là, bon, je comprenais rien. Donc, on a fini de dabar l'entrée. Maintenant, il devait faire de cette façon là. Donc, mon ami s'est levé encore une fois de plus. Il a pris le portefeuille. Et puis, il nous a dit de partir dans un coin. On faisait des trucs de. Et tout là. Donc, on est parti là-bas. Moi, j'ai pris le téléphone de mon camarade. Et puis, genre, j'ai regardé ses messages. Genre, le nom de la personne en question. Moi, il s'est allé regarder sur WhatsApp. Et puis. Les deux sont en train de discuter ensemble. Ils sont en train de discuter ensemble de moi et tout. Que ah, j'espère que ton ami il est actif, mais il est passif. Mon ami répond que ah, mon ami il est hyper passif. Il est comme si, comme ça, tu peux trouver un autre italien pour lui. Quand j'ai vu là, moi il ne sait pas cacher les choses. J'ai montré mon ami. Il dit, tu penses c'est moi qui as à vendre quoi? Ou bien toi-même tu te vends? Il dit non. Il a dit, ou bien toi-même tu te vends? Parce que tu ne peux pas venir dire que ton ami est. Pourtant, toi-même, là, toi-même, tu connais rien des trucs comme ça. Un moment, il a vu que je parlais même plus avec le monsieur. Genre, c'est-à-dire avec le Pascal. Parce qu'il était très âgé. Si vous ne mentez pas, il était vraiment âgé. Barbu. Des barbes blanches, longues comme ça. Si je pourrais lui donner, bien, je pourrais lui donner 45 ans par là. Bien 40, je ne sais pas. Comme la barbe, ça ne définit pas l'âge et tout. Il ne faudrait pas que je monte. Le monsieur avec qui je parlais presque pas avec lui. Il me parlait. Moi, je donnais des réponses prêtes. Parce que moi, il y a des choses, ça m'énerve. Quand tu mens sur moi, franchement, je ne sais pas cacher ça. Si tu ne mens pas sur moi en mode genre, bon, je ne vais pas me donner un masque, au fait. Mais quand tu mens sur moi, ah, franchement, man, t'as fait fort, au fait. C'est là, moi, j'ai compris maintenant que le monsieur en question, il était avec, tu vois. Il était avec lui, tu vois. J'ai compris le bail. Et il dit à Foy. Moi, j'étais tranquille jusqu'à ce qu'ils nous ont dit. Il a dit qu'il allait visiter les trucs de Mantes. Genre, si je veux. Il a dit, moi, je veux rien. Moi, là, je suis en train de penser à comment je vais arriver en première. Là, quand je vais répondre à ma classe de première. Là, comment j'ai réfléchi. Je vais tuer là-bas. Et puis, peut-être, j'ai fait mon bac en candidat libre. C'est ça qui était dans ma tête. Il n'y a pas à vous mentir. J'étais vraiment énervé. Et j'ai dit à mon ami que, hey, man, moi, je bouge. Moi, il doit partir. Il dit, mais non, il est que. J'ai dit, moi, je bouge. Donc, j'ai dit au monsieur que, ah, bon, moi, je pars et tout, tu vois. Il dit, ok, il n'y a pas de souci, Panam et tout, genre, enchanté de t'avoir connu. Je dis, le plaisir est partagé. J'ai fait genre, ils ont payé mon taxi, je suis rentré à la maison. Je suis rentré à la maison en haut, c'est qu'il a mis dans l'oreille de mon camarade. Il a compris que, ah, j'étais sérieux, même. Genre, ça ne m'emballait pas. L'argent, il a vu que... C'est pas ça, mon. C'est pas là-bas, tu vas me blaguer, quoi. Si tu veux me blaguer, peut-être c'est par rapport à Dieu. Mais là-bas, même, tu peux pas me gagner aussi. Je lui ai dit mes vérités. Donc, il a commencé à accuser que non, je vais rectifier ça avec lui et tout, genre, bon. Que genre, toi, tu n'es pas dans ce genre de truc. Moi, je pensais que ça t'intéresse. Il dit, comment toi, tu peux penser que ça m'intéresse? Tu n'es pas venu me parler quelque chose, et puis toi, tu me dis que ça m'intéresse. Toi, mais tu vois que ce genre de truc, à un moment, les gens comme ça, là, je. Je les supporte pas au fait. C'est pas que je suis, comment je vais dire ça, homophobe. Mais c'est juste que, genre, quand du moins tu rentres pas dans mes 10 mètres là, moi je te respecte. Mais quand tu rentres dans mes 10 mètres, un moment, bon, tu vois, ça me met en colère au fait, tu vois. Donc, on a laissé tomber le bail et tout. Il m'a dit que, ah, pendant que vous êtes venu m'aider, comme on a commencé le déménagement du monsieur, là, on est qu'à venir terminer. Il dit, ok, à fois, il n'y a pas de souci. Oh. Donc, je me suis levé le matin, on peut dire à 9h-10h par là. Je suis parti dans le coin. Il dit que, ah, on va aller, mon ami même en question, il dit que on va aller. Pourquoi il dit mon ami même? Emmanuel en question. On va aller chercher, comment je vais dire ça? On va aller payer les bails, genre, essayer de faire le, comment on appelle ça même là? Genre, c'est-à-dire que tu, genre, si c'est fauteuil, c'est 500 000, tu payes, genre, la facture, quoi. Donc, je suis allé faire la, donc, on est allé là-bas. Et puis, c'est moi qui étais sécrété. Eh, Dieu, on s'en va, on est là, on regarde les meubles, on voit les 700 000. Genre, moi, il notait tout, les que ça, il notait tout. J'ai emmené à mon ami dit, eh, tu fais du bon boulot, tu veux pas qu'on te donne là. Il a dit que non, l'argent là, c'est bon, moi, je veux pas. Mon ami, il s'était dit, il veut pas.
C'est maintenant là, quand il dit je veux pas. Mais il comprend que ah, depuis le début là, le gars même il était de moi. Il était ça de moi. Mais genre il sait pas comment il allait me dire. Maintenant ça là, quand c'est arrivé là, il pensait qu'il allait pouvoir jouer mon esprit. Moi aussi, comme il pensait qu'il allait jouer mon esprit, moi aussi il a commencé à jouer son esprit. Il a commencé à. Hey, c'est pas le nom du monsieur il bouffait. Quand il me dit que ah, c'est toi, genre, on est joint. J'ai dit, je prenais. J'ai dit que non, ça là seulement, attends, je lui fais ça du. J'ai dit, je prenais ça bien bon, je jouais avec sa mentalité, ton esprit même là. Et je jouais avec son esprit. L'ami a vu qu'il avait mal fait. Donc il a décidé de créer, d'organiser une deuxième rencontre afin qu'on puisse se dire les vérités, les bains. Donc, la deuxième rencontre, c'était pas loin de chez moi. Donc il m'a dit que ah, on va passer te chercher. Moi, Benel me cherchait seulement en 2017, il n'avait rien. Ce qu'on me donnait même pour partir à l'école là même là, c'était pas beaucoup. Donc là, je n'avais rien. Faut pas que j'ai venu me donner un genre que ah ouais non, c'est parce que genre ils n'avaient rien. Donc et puis j'avais 17 ans. C'est pas pour dire que j'étais indépendant ou il y avait quelque chose. Donc calm down. Like, on continue. J'ai dit deuxième rendez-vous pour que on doit essayer de se dire la vérité. Mon ami Benel, lui, genre était dans un restaurant à côté là-bas, on est parti. Là-bas là, je me suis pas gêné. Ils ont emmené le menu. Ah, je dis moi, là, je prends un poulet, frites, portion. Il dit tu vas finir. Je dis que moi c'est ce que moi je prends. Ou bien si moi j'ai commandé, c'est que je vais manger. Si je mange pas, je vais venir ça à la maison. Aïe, c'est quoi? On a pris, on a commandé, on a commencé à daba daba. Maintenant comme je suis venu, j'ai fait exprès. Mon ami m'a donné un t-shirt où il y avait banane, genre plein de bananes, 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 bananes dessus. Tu vois, et le t-shirt même j'ai donné à quelqu'un et la culotte aussi j'ai donné à quelqu'un parce que moi quand quelqu'un me fait quelque chose, me donne quelque chose et que finalement c'est moi je suis plus en contact avec toi, si quelqu'un me dit hé, celle-là c'est joli, je te donne directement, je me débarrasse de ça rapidement pour tu vois. Donc j'ai porté ça, je dis non attends je vais venir. Ils pensent qu'ils sont excités, non, ils vont comprendre. Je suis venu, je suis assis, au début ils n'avaient pas remarqué que j'avais porté le oui, mais ils ont remarqué, ils ont commencé à se faire les gens. Moi aussi là, j'ai commencé à jouer le jeu, j'ai commencé à faire fâché même, j'ai joué le jeu. Et dans mes finales, j'ai dit, la personne qui est à côté de toi, c'est un menteur. Il n'est jamais venu me parler de ce genre de truc et que moi, ça ne m'intéresse pas. Genre, j'ai commencé à être genre franc quoi. Il a compris. Maintenant, dans l'aménagement, genre, il doit déménager les trucs. Moi, j'avais un contact, un ami, un vieux père. Je le connais grâce à Facebook, je le respecte vraiment. Et je pense que je vais pas franchement cacher son nom, les baïcons. Il s'appelle Wallace. Il fait la peinture et tout. Il dit, ah Wallace, j'ai trouvé un contrat pour toi et tout. Il dit, ah, donc, il m'a appelé, il est venu dans les lieux. Et puis, il a vu les lieux, ils ont essayé de faire les bails, genre le prix et tout. Non, Wallace est venu un jour. Vous savez que les peintres là, quand ils viennent là, à la base de leur t-shirt, ils ne portent pas. Genre, tu vois, bon, s'il a chaud, il enlève et tout. Et Pascal l'a vu, ça l'a lui là, ça l'a réveillé. Il a commencé à faire les trucs là sur le jeu de l'encoute. Moi, je voyais, mon ami, je voyais, mais mon ami ne comprenait pas au fait. Il ne pouvait pas venir dire à mon ami, c'est ça, c'est ça. Donc, on a laissé mon ami. Il a dit à mon ami, genre, il a signalé un bail que, ah, il y a un truc qu'on n'a pas payé. Donc, on est quand même parti au supermarché rapidement pour acheter le bail, tu vois. Donc, nous sommes partis au supermarché, on a laissé mon ami et tout. Nous sommes venus, on a mis la nourriture de mon ami et tout, bien zo. Et mon ami, pendant qu'il faisait la peinture, il a vu, genre, tu vois, les trucs de contact des boss, là. Il a vu, dit que, ah, ouais, ça, là, ça peut vraiment intéresser. Genre, le site est fini, ça, peut-être tu peux le contacter, va trouver d'autres contrats pour moi, si j'ai bien fait le travail, il a aimé. Mon ami, il a pris ça, là. Il a appelé, genre, après les bye-bye qu'on a. Eh, hey, Dieu. Il a appelé, il est en train de faire genre sur mon ami. Et puis mon ami ne voulait pas me contacter, il ne voulait pas me dire ça parce qu'il pensait que j'étais dedans en fait, donc j'étais en train de le cacher et tout. C'est après il est venu me contacter qu'il allait bien des bails et tout. Maintenant, Emmanuel en question, il causait avec l'un de mes amis. Attends, moi il dépense, moi il te lave, il te rend blanc, il te blanchit, il te fait des bails. Toi tu vas venir me tromper à cause de toi, tu es malade, tu vas venir me tromper. Donc la personne avait le droit d'être jaloux. Aïe. Moi j'ai ma peau. Si elle veut, il te dit, il fait. Tu as fait quoi? Tu n'as rien. Tu m'as montré que tu n'as rien, que c'est l'argent que tu aimes. Et puis, genre, ça se passe. Il a constaté que, ah, mon ami là, il cause avec quelqu'un d'autre. Et moi, il venait me contacter. Il dit, hé, je vais vous dire,
papa de quelqu'un. Il m'envoie MVP de 4 à 5 minutes. Il pleure à cause de mon camarade. Jean, lui, là, il l'entend dans le oui. Mais mon camarade, là, c'est. Moi, mais il était dépassé. Un moment, il me disait que, ah, est-ce que ce qu'on fait là, est-ce que la Bible condamne les trucs comme ça, les trucs. J'avais pas les mots. Moi, mais je vais dire quoi? Quelque chose, je connais rien dedans. Je suis jamais rentré dedans pour dire qu'on comprenne. Et j'essayais de consoler le jeu là, comme genre, quand je lui ai dit, comme mon papa, parce qu'il donnait des bons conseils. J'essayais de le conseiller, genre. J'essayais de faire ça. Il a dit, ah, pardon, t'es quelqu'un de bien et tout. Si tu veux ça, tu. Il a dit que non, je n'ai rien pris dans la main du monsieur. Quand il me dit que, ah, il m'envoie un message que, ah, j'espère que tu vas bien et toi. J'ai dit, je vous voyais le monsieur là. Parce que je disais, moi, il me dit que non. C'est pas parce que tu gères des bails avec quelqu'un que moi, je vais te manquer de respect ou bien je vais te rabaisser. Il peut pas. J'étais toujours. Il a compris que, genre, il pouvait venir tout me dire les bails qu'on met. Il me disait des bails que mon ami savait pas et tout, mais. Bon, moi, ça ne me regardait pas, au fait. Un moment, là, moi, ça ne me gênait pas parce qu'ils ne sont pas rentrés dans mes 10 mètres. Ils ont compris que, ah, où on s'en va, là. Genre, le gars, il n'est pas emballé, donc laissez-le tranquille. C'est quelqu'un de bien, continuer avec lui. La partie ou de EO, là, je passe à zéro. Mon ami est parti à Mall, à Place, avec, je ne sais pas si c'est avec le monsieur ou même pas avec le monsieur. Il est parti avec le monsieur et il a acheté un chargeur externe que nous on appelle les power bank en anglais, un truc comme ça et tout. Il a acheté le truc à 35 000 francs, mais je suis que c'était en map façon. Il m'a dit, mais c'est, ah, j'ai payé ça. J'ai dit, mais ça c'est super au fait, genre c'est bien. Moi quand il me disait qu'il faisait ça, j'ai dit, ah, c'est bien, c'est joli. Mais j'étais pas ce gars envieux pour dire que, hey, moi aussi je veux aussi. J'étais pas ça au fait parce que. C'est pas moi, c'est pas comme ça on m'a éduqué. J'ai dit, ah, c'est super et tout. J'ai dit, mais attends, mais tu avais un autre power bank et tout. Il m'a dit, oui, le blanc là. Oui, il y a fait que le jour, on va bâtir, arranger les bails là-bas. Parce que c'est nous, on s'est occupé de la maison. Je vais mettre dans le frigo tout. Et là, j'ai compris une chose, est que la maison en question, c'était pas pour le tonton en question, mais c'était pour mon ami en fait, tu vois. Là, quand, au lieu de quitter Bassam, d'aller à Bassam, lui, il va venir là-bas, ils vont gérer leur moment, les hauts, coins, et puis ça passe, tu vois. Donc, c'est comme ça, moi, j'ai compris le bail. Genre, tout, on s'est occupé de tout. Et là, en ce moment, on a rangé les bails, mettre la nourriture et tout. Et là, mon ami m'a dit, ah, mais attends, le power bank que tu voulais, là, j'en tiens ça en même temps. Au fait, j'ai pas tiqué, puisque c'est quelque chose qu'il avait utilisé, genre. Genre, c'était ancien. Genre, c'était pas un truc new. C'était ancien. Et j'ai pris, je dis, ah, d'accord, merci et tout. Je vais charger et tout. Et comme j'étais sur Instagram en mode bien zoo. Avant Power Bank, c'était un peu un privilège, on peut le dire. Hein. Donc, j'ai fait une photo, j'ai mis sur mon compte Instagram et tout. J'ai vu que le monsieur, il a vu. Mais il m'a pas fait signe. Genre, tu vois, il me suivait sur Instagram, mais il n'a pas fait signe, genre rien. Et voilà la partie là, j'ai oublié cette partie là. Je vous ai dit qu'il parlait avec mon ami. Vous savez, les gens comme ça, surtout, on te dit un italien. Donc là, imagine un peu. Côté jaloux, ils font les fourrés en Italie, les bails. Le jour où je suis venu, on a fait deuxième rencontre et puis j'étais appelé. Le seul et moi, on devait se rencontrer. Tu vois, il devait se rencontrer pour des bails et tout quoi. Et le moron, mon ami là n'est pas venu. Pourquoi il dit mon ami? Emmanuel n'est pas venu pour. Le vieux là l'a attendu sur la pluie. La pluie a limé le vieux. Et c'est à 22h, le moron vient se planter en mode et tout. Mais dis, tu faisais quoi? En temps, mon ami est en train de causer par appel avec. Genre, c'est-à-dire, Emmanuel est en train de causer mon ami là en question. Juste quand il a oublié. Le monsieur l'a vu. Mon ami était à Bassam, lui était à Bassam. Prends bail, il a commencé à faire des choses sur mon ami. Là. Jean, il veut connaître mon ami. Jean, il envoyait des messages que Jean, si mon ami continue, il va tuer mon ami. Il a dit, hein? Dieu merci. Et que mon ami, là, il n'avait rien à se reprocher. Et tout. Et puis les messages étaient là, c'est l'autre qui courait derrière lui. Donc, c'est ça, en fait, Jean, c'était un peu un briefing. Donc, qu'est-ce que je vais dire maintenant? Voilà. La partie où ça va se gâter. Quand il m'a donné le truc, j'ai pris. J'ai pris le truc, je suis rentré à la maison, j'ai pris la photo, les trucs comme je vous ai expliqué.
Et mon ami vient m'envoyer un message. Lui, hein, qui m'a donné, il ose m'envoyer un message. Que, ah, mais le parapet blanc, là, il est perdu. Depuis là, le truc qu'il a fait, je ne trouve pas. J'ai dit, comment ça, il ne trouve pas? Toi, tu m'as donné le parapet. Il m'a dit, ah bon? Toi, tu es sûr que je t'ai donné et tout? Après, on n'a pas parlé de ça par message. Tu es sûr que je t'ai donné et tout? Il lui a dit que, ah, je t'ai montré, mais c'est que c'est toi, tu m'as envoyé. Bye. Il dit que non, moi je n'ai jamais dit ça et tout. Que le monsieur dit qu'il veut son parabén. Que moi là de me dépêcher d'emmener son parabén. Le monsieur vient m'envoyer un message qui me dit que, hé, hey, donc moi je ne sais pas que tu étais un voleur et tout. Genre, je lui ai emmené les captures d'écran de mon ami. C'est que, il dit que lui il s'en fout. Lui il s'en fout, lui il veut son parabén parce que c'est très important pour lui. C'est. J'ai dit, hein? Non, mais je voulais aider, j'ai aidé tout ça. Donc c'est ce que moi, mon ami, c'est l'image que mon ami veut donner maintenant. À Jean, à son sugar daddy, c'est ce que je vais dire. Il dit, Asso, pas t'es sûr que tu m'as donné, tu dis que tu m'as pas donné. Il dit que faut aller donner tout du monsieur, il entend, Jean, il entend mes principes. Il dit, ce jour-là, il n'y a pas mon moitié. C'était à la Riviera. J'avais, voilà la Riviera de chez moi, la Riviera c'est 600. J'avais 500. Je vous dis, j'avais 500. J'ai pris le transport, aller 300 pour aller. 200 pour revenir, j'ai marché jusqu'à pour aller. Et puis quand je suis allé là-bas, le monsieur était en train de promener son chien. Il dit que, ah mais je vais venir vous donner là-bas, il était un peu loin où je le voyais. Il dit que viens me donner, je lui ai donné. J'ai dit, le monsieur là m'a mal regardé. Il m'a dit, ok merci. Et il m'a regardé genre, et puis il est parti. Et puis moi je suis parti quoi. J'ai dit, depuis ce jour-là, le monsieur là m'a plus écrit. Et puis mon ami, au lieu de venir s'excuser, ou bien au lieu d'aller régler le problème monsieur, mon ami là, lui va dire que moi j'ai volé le truc. Tout ce qu'il s'est raconté à tous ses amis, que moi j'ai volé le truc. Il dit que, hé, Asso, au moins il pensait qu'il y avait occasion, tu m'as dit de prendre ça, je n'ai pas pris là. C'est ça là, moi j'ai venu voler. Il me dit que non, moi j'ai fait une erreur, moi il ne savait pas que c'était pour lui, je suis allé. Tu peux pas aller lui dire ça, il ne sait pas jusqu'à aujourd'hui, il ne sait pas si aujourd'hui ils ont les mêmes relations. Mais le gars en question, il y a quand le problème s'est passé, en 2019, ouais, en 2019, m'envoyait un message pour causer. J'ai pas causé lui. À cause de quoi? Où je voulais être serviable avec quelqu'un, je dis que moi, que tu sois gay ou bisexuel ou jaune, rouge ou violet ou moi là, du moment que tu es intelligent et puissant, tu rentres pas dans mes 10 mètres là. Bébé, c'est ça il m'a fait. En tout cas, c'est ça il m'a fait. Je vais vous dire, sérieusement. Quand il y a des choses comme ça, là, vous voyez vos amis sont, c'est mieux quitter à côté, parce que façon ils vont, moi façon moi mon nom me met gâté même. À cause, on dit c'est pas bien qui a voulu non. Peut-être mais qu'est-ce qui prouve que on n'est pas allé dire que moi on essaie de gérer les bails le monsieur. Le monsieur n'est plus là, ou peut-être ils sont plus ensemble et tout. Qui a la peau? C'est sa bouche qui a parlé, c'est fini. En tout cas, moi c'est le conseil que j'avais à vous donner, et puis c'est ce que moi j'ai vécu et pense que jusqu'à aujourd'hui ça m'a appris plein de choses genre. Je me suis éloigné de beaucoup de personnes et beaucoup de personnes gâtent mon nom. Et moi aussi, je m'en fous de ce que beaucoup de personnes disent. C'est ça. Donc, c'est un peu cette story time que j'avais envie de vous expliquer et j'espère que vous aurez aimé. C'est vrai que la story time était longue parce que c'était une chose que j'ai vécue. Donc, je voulais vraiment expliquer dans les détails en fait.